Ah, bonjour, bienvenue chez Francinov. Donc, je vais vous présenter le revêtement thermorégulant. Donc, je suis sûr que vous êtes curieux de découvrir cette peinture très révolutionnaire qui va vous permettre de faire plein d'économies d'énergie. Donc, je vais vous en parler dans mon bureau si vous voulez bien m'accompagner. Je vais donc vous développer le revêtement thermorégulant. Hein, donc, c'est une nouvelle peinture que nous avons développée depuis plus de 4 ans. Et pour faire la recherche, la mise au point de ce produit, en fait, on s'est inspiré de la nature en regardant bien le caméléon. En fait, le caméléon a la particularité de s'exposer au soleil pour capter la chaleur et comme ça, il en stocke, il en magasine et en fin de journée, quand il y a la fraîcheur qui arrive, eh bien lui, il a chaud parce qu'il restitue la chaleur. Donc, on a dit, comment peut-on faire pour refaire la même chose dans nos revêtements? Eh bien, nous avons cherché ce qu'on appelle des matériaux à changement de phase. Donc, c'est des produits qui ont la particularité, lorsqu'ils passent de l'état liquide à l'état solide, de dégager de l'énergie, comme le caméléon. Et lorsqu'ils passent de liquide à solide, on absorbe l'énergie. Donc après, il fallait trouver la meilleure façon, en fait, de l'incorporer dans la peinture. Et bien ça n'a pas été une mince affaire parce que au départ, en fait, nous avons mis nos matériaux à changement de phase directement dans nos peintures. Mais en fait, le fait que ça changeait de phase, et bien au bout de 8 à 10 jours, on a vu en fait les matériaux de changement de phase qui traversaient carrément les films de peinture. Donc là, on s'est dit, on n'est pas très bien. Il va falloir trouver une autre façon d'incorporer ça dans la peinture. Donc, nous avons fait des recherches avec des prestataires extérieurs. Et là, en fait, on a trouvé quelqu'un qui était capable de faire ce qu'on appelle de la micro-encapsulation. Et donc, cette personne a réussi à mettre les matériaux de changement de phase dans des très très fines particules. Donc, ça a encapsulé complètement nos matériaux de changement de phase. Et ce qui fait qu'ensuite, quand on a réussi à les mettre dans la peinture, eh bien, il n'y avait plus aucun problème de passage à travers notre film de peinture. Après, il fallait trouver comment en mettre suffisamment, etc. Donc ça a pris quelques temps, quelques années de recherche. Hein. Je vous dis, on a mis 3-4 ans pour développer ce produit-là. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé à faire quelque chose vraiment qui est très performant. On a réussi à montrer, en fait, avec des essais en laboratoire, en premier, où on pouvait faire quand même jusqu'à 15% d'économie d'énergie par an. Et donc, suite à nos essais en laboratoire, eh bien, nous sommes partis faire des essais grandeur nature dans des appartements où là, on a mis en fait dans un studio notre revêtement thermorégulant bioactif et dans l'autre, juste à côté, avec le même nombre de personnes à l'intérieur bien sûr, un revêtement traditionnel. Et on a eu un thermicien en fait qui a suivi pendant plus d'un an en fait l'évolution et la consommation de chauffage et d'énergie à l'intérieur des deux appartements. Et au bout d'un an, on a vu en fait que l'appartement où il y avait notre revêtement, eh bien, on avait fait plus de 12% d'économie d'énergie. Et même pendant l'été, en fait, on amène du confort aux utilisateurs, puisque pendant l'été, dans les périodes où il faisait très chaud, eh bien, il faisait 2 degrés de moins dans l'appartement où il y avait notre revêtement thermorégulant, puisqu'on captait l'énergie pendant la journée. Et donc, comme ça, il faisait moins chaud dans l'appartement pendant la journée. Donc grâce à ça, en fait, eh bien, on a vraiment réussi à faire un revêtement pour l'intérieur des bâtiments, vraiment un revêtement révolutionnaire qui va participer vraiment à l'économie d'énergie. En plus, il faut savoir que nos matériaux à changement de phase, ce sont des matériaux d'origine naturelle. Donc c'est des matières premières biosourcées et donc on ne va absolument pas rapporter des revêtements synthétiques à l'intérieur des bâtiments. Notre revêtement, comme il est en phase aqueuse, il est à base de matériaux donc d'origine naturelle. Donc pour l'intérieur des bâtiments, il y a un classement. Ça s'appelle, on note le pourcentage de composés organiques volatiles à l'intérieur des revêtements. Mais il faut savoir que notre revêtement, nous, il est classé A+, c'est-à-dire la note maximum en fait, parce qu'il n'émet absolument aucune nocivité, aucun rejet dans l'atmosphère de matière dangereuse. Donc notre revêtement eh bien, a été breveté. Hein. On a, au bout des 3 à 4 ans, en fait, on a déposé un brevet. Et donc, on a réussi à déposer un brevet sur à la fois l'origine des matières premières et sur le principe de fabrication. C'est pareil, quand on fabrique, comme on l'a mis dans des micro-encapsulations, dans des toutes petites capsules, il ne faut absolument pas qu'au moment de la fabrication, eh bien, on casse ces petites capsules. Donc on a développé un système d'agitation bien particulier pour pouvoir homogénéiser sans casser les micro-capsules. On est référencé au CSTB. Donc le CSTB, c'est le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Ce qui fait que grâce à ça, en fait, on est vraiment une bonne notoriété au niveau des professionnels de la peinture. Donc c'est vraiment nous la particularité d'avoir pu s'inspirer de la nature, s'inspirer du caméléon qui nous a permis en fait de pouvoir créer ce revêtement, créer ce nouveau produit. C'est vraiment ce qu'on appelle le biomimétisme. C'est grâce à ça qu'on a réussi vraiment à avancer notre recherche.
Le produit depuis donc au départ donc il s'appelait Bioactive et maintenant en fait on a avec notre équipe de recherche et développement eh bien on l'a fait évoluer dans le sens où il faut savoir qu'à l'intérieur des bâtiments il y a souvent une pollution plus importante qu'à l'extérieur. Ben nous on a réussi à développer dans notre système thermorégulant, on a mis un additif dedans et qui permet de dépolluer l'intérieur des bâtiments. En fait le plus grand polluant à l'intérieur du bâtiment c'est ce qu'on appelle le formaldéhyde. Formaldéhyde, on va le trouver dans l'école des tables, même quand on cuisine, la cuisson des aliments va dégager du formaldéhyde. Eh bien, notre revêtement thermorégulant, lui, a la particularité d'absorber le formaldéhyde et de le transformer en eau et en CO2. Et ça marche pendant plus de 10 ans. Donc on a vraiment un revêtement maintenant qui est dépolluant et thermorégulant. Donc ça, c'était la première évolution. Donc maintenant, ce produit-là, maintenant, il va s'appeler ThermPure, en fait, hein, le thermorégulant dépolluant. Et maintenant, on travaille sur une troisième voie, en fait, où là, on veut, pour les hôpitaux essentiellement, développer un produit qui va être thermorégulant et bactéricide. Donc on a fait déjà des essais avec des laboratoires extérieurs. On a trouvé une molécule incorporée dans notre peinture qui permet vraiment d'être bactéricide. Et donc, grâce à cette molécule, en fait, eh bien, on va faire des essais maintenant en grandeur nature aussi avec différents hôpitaux. Normalement, on a des contacts avec l'hôpital de Tréguier dans les Côtes d'Armor. Et donc, on va essayer de développer ça avec eux.